Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous prendre en format un peu vlog puisque je vais vous emmener avec moi tout le long de cette semaine où je vais préparer mon anniversaire, donc qui est demain. À l'heure à laquelle je commence à tourner ce vlog, on est mardi 16 juin et mon anniversaire c'est le 17. Et je le fête samedi 20 juin. Donc du coup, chaque jour j'ai quelque chose de prévu. Donc hier je vous ai pas tourné parce que j'ai un peu zappé. Et donc du coup, hier j'ai acheté une première partie de la déco pour la table. Et aujourd'hui j'ai continué pour acheter la déco, mais tout ce qui va être du jardin, de autour. Donc il me reste quelques petits trucs à acheter. Déjà commandé les gâteaux, je vais les récupérer samedi. Donc du coup voilà, j'ai rendez-vous avec Johanna, ma voisine. On s'est donné rendez-vous toutes les deux à La Farfouille à 10h. Donc du coup il est 9h20, je vais pas tarder à y aller. Je vais vous emmener avec moi jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire jusqu'au jour J où je vais préparer la salle, enfin du coup le jardin. Ça se passe chez mon papa et je vous montrerai un peu plus tard dans le vlog, dans les jours qui approcheront le jour J. Parce que j'ai acheté une robe de princesse pour mon anniversaire. Donc vu que le vlog sera sorti bien après mon anniversaire, j'ai commandé une robe un peu imitation La Belle et la Bête. Donc du coup voilà, parce que moi, je suis très fan des Disney et des princesses en particulier. Du coup bah, je me suis dit bah, j'avais envie de m'acheter une robe de princesse. Du coup voilà, bon je vais pas trop parler parce qu'il faut que je finisse de tout fermer chez moi avant que je parte. Et après bah, du coup de partir pour rejoindre la petite Miss. Donc ça c'est tout ce qui va être rien que pour la table, sauf bah, du coup les guirlandes comme ça et les ballons. Mais après voilà, c'est typiquement en fait, vu que ça va être autour de La Belle et la Bête, ben on a avec la Miss Johanna on a décidé de faire à peu près entre du vert et du doré pour rappeler un peu la robe, et le vert pour la forêt qui fait penser au château de la Bête. Voilà. Et du coup, on a testé un peu. Je vais tester des petits ballons à LED. Je sais pas si ça va allumer grand-chose, mais bon. Du coup, voilà. J'ai hâte de vous montrer du coup le résultat. On est le 17 juin et qui dit 17 juin dit mon anniversaire. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui à 5h25, je faisais 21 ans. Du coup voilà, le programme de la journée c'était que je devais aller au coiffeur ce matin avant le boulot. Donc du coup ben, en fait, j'ai juste simplement fait mes mèches. Et du coup voilà, j'en ai profité pour me maquiller en mode bitch. Mais voilà, là du coup je suis arrivée devant le boulot. Je vais rejoindre ma maman qui travaille là-bas. Et de là je vais attaquer jusqu'à 23h30. Du coup voilà, pas plus aujourd'hui, hein, c'est vraiment... Je vous ai pas filmé chez le coiffeur parce qu'il y avait du monde, enfin il y avait du monde. Il y avait beaucoup de bruit, etc. Donc du coup, ben voilà. Mais pour ceux qui me suivent, je mets très souvent des stories sur Insta, sur Snapchat plutôt aussi. Très beaucoup. De ma journée. Donc du coup, n'hésitez pas à me suivre. Tous les réseaux sont en barre d'infos. Et en barre d'infos, le nom du coiffeur auquel je vais, si vous êtes de Montpellier ou des alentours. Franchement, il est pas cher et il est top au niveau du prix, au niveau de la qualité. Et en plus, c'est sans rendez-vous. Donc, pour l'instant, avec le Covid, c'est assez compliqué. Donc, ils font à moitié rendez-vous, à moitié sans rendez-vous. Mais de base, sans crise sanitaire, c'est sans rendez-vous. Et c'est trop bien. Donc, du coup, bah, moi, je vous laisse. Hein. C'était un petit court moment de la journée, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose. Et on se retrouve, bah, du coup, pour vous dans une seconde et pour moi le lendemain, où je vais faire d'autres choses pour la préparation de mon anniversaire. On se retrouve, on est le 18 juin, donc je vous prends un peu tard, hein, puisqu'il est 2h de l'après-midi à laquelle je commence à tourner ce vlog. Comme vous pouvez le voir in my face, hein, on s'est épilé avec Johanna, parce que je crois que ça devait être nécessaire, vu la gueule qu'on avait. Du coup, c'est pour ça que bah, je suis rouge au niveau des sourcils et de la petite stache mou. Hein, Mais du coup, voilà, donc ça, c'est l'étape d'aujourd'hui que j'avais à faire. Et après, ce matin, bon, j'ai fait un truc qui était complètement en dehors de l'anniversaire. Enfin, oui et non, parce que je me suis acheté des nouveaux haut-parleurs pour ma voiture.
Donc du coup, bah, je suis allée voir mon petit papa pour qu'il me les installe ce matin. Donc ça a duré jusqu'à 11h30, je crois, à peu près. Ouais. Du coup, je finis de tout ranger, la cire, etc. Et après, bah, je pars au travail. Et demain, dernier jour avant le jour J, ça sera les courses au niveau de la nourriture, des boissons, etc. Donc, je vous emmènerai avec moi. Mais du coup, voilà, c'est pareil, c'est comme hier, c'est un petit récap très court de ce que j'ai fait aujourd'hui pour préparer tout ça. C'est pas nécessaire, mais si on veut tout bien faire, eh ben, il faut que la princesse soit pas poilue, quoi. J'ai pas l'air conne. Pourquoi on est venu maintenant? Je sais pas. Il y a tellement de choses. On se retrouve, on est vendredi 19 juin, donc J-1 avant la soirée. Là, on vient de sortir des courses. Je vous dis pas la galère. On a mis approximativement 2 heures, ouais, à peu près, pour faire les courses. Bon, parce qu'on est passé à une caisse prioritaire et du coup, ben, on s'est engagé à laisser passer tout ce qui était handicapé et femme enceinte, ce qui est normal. Mais au bout d'un moment, on l'a regretté. Parce qu'on faisait un pas en avant, on faisait 3 en arrière. Mais du coup voilà, j'en suis sortie pour 135 €. Donc et du coup voilà, là on va rentrer, je vais tout poser à la maison. Comme ça c'est fait, j'aurai pas à ramener plus tard, enfin demain. Puisque demain je vais chercher le gâteau et je vais acheter des baguettes de pain. Important, des baguettes de pain. Du coup voilà, et là cet après-midi, avant d'aller travailler, je vais faire le ménage pour accueillir les gens et je vais essayer de repasser ma robe. Comme ça, je vous la montrerai une fois repassée parce que pas repasser, ça donne éventuellement ça. Donc du coup, c'est pas ouf. Donc on va essayer de la repasser, mais j'ai peur parce que c'est pas de la top qualité. Donc du coup, j'ai peur qu'elle crame. Mais bon, on verra ça, on va juste croiser les doigts. Sortir, donc voilà le topo entre guillemets, il y a plus hein, parce que j'en ai déjà mis dans le petit frigo. J'ai mis... Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les gars, je vous rappelle. J'ai mis tout ce qui va être la bouffe. J'ai mis déjà une première partie des apéritifs. Bref, il manque le gâteau, les gâteaux, etc. Et après, bah, du coup, là, c'est tout ce que j'ai pris en double, en triple, en cadeau. Du coup, voilà. Comme ça, tout est fait. Et il ne manque plus qu'à aller chercher le gâteau et à tout installer sur cette merveilleuse table qui est juste là. Face à la belle petite piscine. J'ai trop hâte d'être demain. Wouhou! Bon, on se retrouve, on est le jour J. Donc ce matin, je suis allée chercher les gâteaux que j'ai mis au frigo. Et là, du coup, Johanna vient partir. Elle vient de m'aider de faire la déco, on va dire, pour se donner un peu une idée de ce que va donner la table. Et du coup, je vous mets juste après l'extrait de nous en train de préparer la table. Et après, je vous montrerai le résultat à peu près, parce que pour l'instant, il est que 12h30. Donc du coup, vu que la soirée commence qu'à 16h, eh ben, j'ai voulu juste voir une aperçu, voir ce que je pouvais changer, etc. Il n'y a pas encore tout qui est fini, parce que là, j'ai juste une guirlande qu'il faut que j'accroche tout là, mais j'ai pas encore le bon scotch pour l'accrocher. Et après, il y a les ballons, mais j'attends, parce que vu qu'il fait chaud, ils vont péter si je les mets maintenant. Donc du coup, voilà.
Pour l'instant, voilà le rendu. Bon, j'ai mis des couteaux parce qu'il faut que ça tienne. Et j'ai caché les fleurs, les feuilles. Mais du coup, voilà, il y a des feuilles un peu partout que je vais redisperser. Histoire de donner un peu ce côté nature. Et voilà, donc du coup, après, je rajouterai, il y a des gobelets que je vais rajouter, il y a les serviettes que je vais rajouter. Mais en décoration, je crois que c'est simple, on a mis tout. Après, ouais, vraiment, il y a les ballons que je vais accrocher un peu partout. Et il y a des ballons aussi que je vais accrocher juste là, plus tard le soir, puisque c'est les ballons à LED que je vais tester. Et là, je ne sais pas encore si je vais faire une déco ou quoi que ce soit, puisque c'est vraiment la première partie, on va dire, de l'anniversaire. Puisque ça sera tout ce qui va être en rapport avec la piscine. Donc du coup, j'ai les petits ballons là-bas, j'ai les petits matelas qui m'attendent, que je vais mettre à l'ombre pour éviter qu'ils dégonflent. Mais du coup, voilà, en soi, c'est quasiment fini. J'ai passé un coup par terre pour que ce soit un peu plus propre. Et voilà, donc là, du coup, je vais aller manger. Et après, je reviens avec cette fois-ci Gladys qui va venir m'aider à terminer tout ça. Et voilà, et après, on sera bon. Je pourrais mettre la robe et commencer la soirée. Thank you.